C'était une ambiance de fête populaire ce dimanche au Palais de la Culture de Trècheville. Le plus jeune des quatre candidats en lice pour la présidentielle, Conan Kouadio-Bertin, est officiellement investi pour la conquête du palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Accueilli par des partisans venus nombreux lui témoigner leur soutien, c'est lui qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire, envoie un message de paix. Il dénonce les violences et les tensions dans le pays à quelques semaines du scrutin. Pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, il s'est montré optimiste. La paix et la réconciliation sont ses leviers pour conquérir les électeurs. Cette exigence d'unité nationale est d'autant plus impérieuse que notre pays fait face à une crise sanitaire d'ampleur mondiale. Pendant que des voix s'élèvent dans le pays pour demander le report de l'élection présidentielle de 2020, les militants de Kouadio Conan Bertin, eux, trouvent son projet politique porteur d'espoir et d'espérance pour la Côte d'Ivoire. Moi, je suis Kouba Oupo Norbert. Je viens de Yanawa, précisément Gueyo. Gueyo, qui est une zone enclavée. On n'a pas de goudron là-bas. Vous comprenez, depuis que Gueyo existe, depuis des milliers d'années, il n'y a pas de goudron. On est enclavé. C'est pourquoi nous sommes avec AKP. Pour nous ouvrir, on est fermé. Il faut qu'on soit ouvert. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. Pour rappel, c'est le 14 septembre 2020 que le Conseil constitutionnel a annoncé la liste des quatre candidats retenus à l'élection présidentielle d'octobre 2020 sur 44 candidatures. Il s'agit notamment de Henri Conan Bédié du PDCI, Alassane Ouattara du RHDP et Kouadio Conan Bertin, candidat indépendant.